Christian Mbili Asomo, retenez bien ce nom car ce jeune boxeur de 21 ans sera à Rio cet été pour les Jeux Olympiques. Il s'est qualifié dans la catégorie des moins de 75 kilos et son sport, il l'a découvert à Montargis. Son portrait par Arnaud Moreau et Vincent Logereau. Psychologiquement, c'est quelqu'un, quand il venait au sport, qui avait toujours cette envie de gagner. Hein. Et puis, je me suis dit que, puisque moi, j'ai déjà pratiqué la boxe, je me suis dit, si je le dirige par là, si je le dirige dans cette voie-là, peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose. Et Amadou Kormanga a été bien inspiré. Celui qui l'a pris sous son aile il y a 5 ans s'apprête à disputer les Jeux Olympiques. Voici Christian Mbili Asomo. Il boxera cet été à Rio en moins de 75 kilos. Et pour arriver jusque-là, il n'a eu qu'un mot d'ordre, travailler sans relâche dans cette salle. Il a toujours eu les qualités de toujours vouloir apprendre. Même des fois, on est obligé un peu de le stopper parce que lui, sinon, il aurait pu coucher dans la salle. Hein. Mais il apprend très vite et bon, il avait des qualités, c'était inné pour lui la boxe, je pense. Et pour le bonheur d'Éric Godet, Christian a fréquenté cette salle tous les soirs en sortant du collège. Pour une anecdote, un moment, pendant les vacances, Eric il a fermé, on en avait marre, il faut que tu ouvres, on l'harcelait pour qu'il ouvre la salle, parce que voilà, c'est la boxe c'est comme une drogue un peu. Repéré il y a 3 ans par les instances nationales, Christian est plutôt petit pour sa catégorie. Cela l'oblige à casser la distance pour se rapprocher de ses adversaires. Il va donc tout le temps au combat. Ça tombe bien, c'est dans son tempérament. Son surnom, Solide, il l'a tatoué sur l'épaule. Mais ce garçon est dans la vie très calme et lucide. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner à Rio. Se coucher tôt, faire sa récupération, être en forme, bien s'alimenter. Voilà, le haut niveau, c'est ça. On a tous le même niveau. Le problème, c'est la somme des détails, quoi. C'est juste les petits trucs qui fait basculer un combat. Aujourd'hui, Christian fait partie des sportifs de l'armée de terre. Il s'entraîne entre le Krebs à Paris et Montargis, où il aime revenir. Ses camarades du club l'adorent. Comme par exemple, quand il part par exemple, dans d'autres pays, il ramène toujours des petits souvenirs. Et ça fait toujours plaisir, ça touche. Parce que c'est quelqu'un qui prend pas la grosse tête, qui reste comme il est. Et pour Rio, ses amis ont tous demandé le même souvenir, une médaille d'or.